Bon Dieu bénis nous, c'est Evangelist Bonnel là. Nous vous bienvenue pour un autre segment sous Bon l'Évangile en 5 minutes. Pour continuer, nous t'a parlé de trois bagailles qui essentielles que nous besoin pour nous garder fidélité nous envers Dieu. Nous t'a deux déjà, nous t'a l'amour et nous t'a la foi. Jodi a nous voulait parler un peu de l'espérance et comme ça si bientôt n'a continuer avec sujet. L'espérance, nous te dit que c'est pas même avec la foi, c'est deux mots qui semblaient, mais parfois nous mal utilisés. La foi implique une obéissance en action instantanée, ou obéir, ou d'accord, ou quoi dans sa bon Dieu dit. Et tandis que l'espérance en lui-même lui demandait pour tendre sa bon Dieu dit, pour être dans l'attente, pour être dans la persévérance, dans la patience, pendant que vous attendez sa bon Dieu d'y arriver. La Bible a un exemple, côté que bon Dieu m'a dit à Abraham pour offrir seul petit à Isaac en sacrifice. La Bible dit nous que Abraham pas fait ni de ni trois, lui pose une action instantanée, lui obéit bon Dieu, et puis lui a fait sa bon Dieu m'a dit là. C'est ça que nous avons la foi, sous quoi c'est pour obéir et puis poser action. Et pourtant, l'espérance m'a dit pour tendre, lui m'a dit pour persévérer. Paul dans 1 Corinthiens 15 ans, il était confronté à un série de monde qui t'a dit que pas de résurrection des morts. Et puis Paul dit dans verset 32, si mort yo pas ressuscité, en mieux que nous manger nous boire et puis demain nous mourir. Et encore dans verset 19 là, Paul dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça montre nous que l'espérance fait suite avec la foi. Après que ou fin exercer la foi ou obéir à la parole ou accepter Jésus, en bien qu'on y a là ou besoin pour exercer l'espérance. L'espérance ça demande pour tendre, demande pour être dans la persévérance, dans la patience, dans l'attente jusqu'à ce que promesse bon Dieu a accompli. Sommet bien-aimé, le manque l'espérance lui produit l'infidélité et la caille au monde. Mais bien aimé, l'espérance lui conditionne qui gens que ou pral vivre la vie. Parce que monde qui gagne espérance nan, li c'est un monde qui pas commettre n'importe bêtise, li son monde qui a prêté sincère, fidèle, parce que la fixe ses yeux sous bon Dieu, sous Jésus qui fait le promesse que la tourne vient chercher. Ni grand goût, ni maladie, ni la mort, pas fait moun sa trahir Jésus, pas fait moun sa abandonner la foi, parce que moun sa fixe ses yeux sous bon Dieu. Mais bien aimé, nous te dit que fidélité a li très rare, même dans l'église, parce qu'on capable voir moun nan li dans toute activité dans l'église là, dans tout ministère, et pourtant moun sa l'a pas montré que li c'est un moun qui remet bon Dieu, li son moun qui gagne la foi dans bon Dieu, dans l'obéissance, li son moun qui gagne espérance dans bon Dieu, son moun qui katan. Parce que dans temps ça, chrétiens sont des chrétiens microwave, chrétiens ça ou pas katan, tout ça yo mande bon Dieu yo vle pour yo jeune tout suite son série de monde depuis bon Dieu pas répondre yo mais yo même y a fait ça yo connaît gen en pile jeune garçon ak en pile jeune fille qui fait naufrage dans vie maritale yo et comme ça tout gen en pile membre l'église en pile d'âme missionnaire monde qui l'a longtemps dans l'évangile le fait que yo pas capable tendre yo pas de patience en bien les maladies a tomber en bien yo voyé un monde à l'Haïti pour yo voyé un monde à le bâton 4 pour yo parce que yo pas attendre et comme ça en pile dans yo tomber victime à cause de leur manque d'amour pour Dieu de leur manque de foi en Dieu et manque d'espérance dans les promesses de Dieu. Pour nous capables conclure avec ce segment ça, mais bien aimé, bon Dieu nous c'est un bon Dieu qui est fidèle. Moi, je veux faire songer que bon Dieu nous c'est un bon Dieu qui est fidèle. C'est un bon Dieu, même les nous-mêmes nous infidèles, mais lui-même nous était fidèle. Bon Dieu pas fidèle parce que nous fidèles envers elle. Bon Dieu fidèle parce que lui c'est un Dieu immuable, qui veut dire lui c'est un Dieu qui pas jamais changé. Bon Dieu tire gloire, il tire respect, renommé lui dans sa fidélité. L'aile d'un bagaille, il veille sous parole lui pour le capable accomplir. Alors nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous besoin pour nous montrer réciprocité envers Dieu, parce que mon Dieu est fidèle envers nous, nous-mêmes nous devons être fidèles envers lui, pendant que nous remèlons, nous respectons lui, et puis nous mettons la foi dans lui, nous croyons dans lui, nous obéissons avec parole lui, tout ça dit dans la parole, nous obéissons. Tout ça lui demande pour nous faire, nous faire. Tout ça lui demande pour nous pas faire, nous pas faire. Et puis, quand il y a là toute promesse qu'il fait, eh bien, nous avons prêté dans l'espérance, à l'attente, dans la patience, nous avons prêté dans la persévérance, jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher nous et mener nous dans la gloire. Je vais quitter nous avec verset ça. Hébreux 10, le verset 35 au verset 37, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et encore dans Hébreux 10, le verset 23, il dit, nous retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais bien aimé, en nous rester fidèles, parce que bon Dieu nous en est fidèles.